À ce qui paraît, tout ce qu'on fait a des conséquences. Je peux vous dire que dans mon cas, ça doit être du lourd. J'ai... Vaut mieux que je vous explique. Je me présente, Jérémy Langlois, et je suis amnésique. Bon, pas une amnésie totale, hein, mais j'ai oublié 6 mois de ma vie. Voici mon ami, on va l'appeler Paul. Il est souvent bizarre. D'ailleurs, on n'a jamais bien su ce que Paul cachait derrière ses sourires. Sinon, tu voulais me dire quoi? Ouais. Tiens, j'ai une enveloppe pour toi. C'est qui? J'ai vaguement répondu quelque chose, une excuse bidon. Et je suis parti. J'ai enfilé un pull, un bonnet. Puis... j'ai pris la voiture et je suis allé là où on me disait d'aller. Parce que oui, la lettre, celle que j'ai ouverte, c'est quelqu'un qui me demandait d'aller quelque part où j'aurais des réponses. Est-ce que ça valait vraiment le coup d'aller voir? J'en savais rien. Mais c'était la première fois depuis des mois que j'avais enfin une occasion d'avoir des réponses. Je me suis pas méfié. Salut Jérémy. Ah, tu t'as déjà pris de me voir là. Mais t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. À vrai dire, en fait, je suis encore en... pour ton amnésie. Je suis encore en tout. La vraie raison pour laquelle tu es ici, Jérémy, c'est ce que tu as pu faire. Ou devrais-je dire, ce que tu as pu commettre.
Tu as toujours été quelqu'un de calme, d'intelligent. Et donc imagine ma réaction quand t'as décidé de tuer des centaines de personnes. Tu sais sans doute que la rivière est empoisonnée depuis peu. Elle est empoisonnée par un produit toxique. Et ce produit toxique, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as versé le poison dans cette rivière. Et putain, ce que t'en as tué des gens. Dernièrement, t'avais une locomotive. Elle devait prendre en charge des trains pour des marchandises dans un butin militaire. Elle était sous haute surveillance, mais... ironie, quand on sait que c'est toi qui l'as fait exploser. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te le dirais pas en face? Tout simplement parce que tu t'as pas supporté, mec. T'as préféré oublier. Mais bon, ça on peut pas te le pardonner. Ah, ça non, tu ne mérites pas. Je regarde dehors. Mais j'en ai pour mourir. Pas vrai? Voilà ce qui s'est passé.